Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours au top. Et donc une nouvelle vidéo, pourquoi? Pour parler de deux gros coups de cœur, L'Oréal. Oui, parce que c'est une marque à la base L'Oréal que j'utilise tous les jours. Parce que j'ai le super liner L'Oréal. J'ai le crayon noir L'Oréal. Oui, là je suis en train de chercher qu'est-ce que j'utilise chez L'Oréal. Mais je sais que c'est une marque que j'adore, j'ai une palette aussi L'Oréal. Et donc du coup je vais vous parler de deux produits que j'ai adoptés donc cette semaine. Le premier c'est quoi? C'est ça. Alors en fait c'est un mascara, c'est un super mascara. Donc c'est le False Lash Superstar. Ils ont sorti le Fiber, je crois que c'est ça le nom, Fiber. Mais il ne me donnait pas envie parce que tout le monde en parle. Et moi je voulais parler d'autre chose. Donc du coup j'ai craqué sur celui-ci. C'est quoi? A priori c'est la gamme d'avant. Et du coup en fait pourquoi j'ai craqué? Parce qu'on a une partie, un côté en fait qui est comme ça. C'est comme de la crème, ça fait du bien aux sourcils. Et en plus oui, ça sent bon. Et du coup, c'est à mettre avant. Et ensuite, on a une deuxième partie. Voilà, c'est le noir total et tout. Pour allonger les sourcils. Donc, en fait, ce que j'aime sur ce mascara, c'est déjà le fait qu'il y ait un soin. Que moi, des fois, je m'amuse à mettre le soir. Je mets le soir un petit coup. Et puis après, bon, bah, bien sûr, je redémaquille. Mais j'ai l'impression, en faisant ça, d'avoir des sourcils... d'avoir des cils qui sont encore plus allongés que d'habitude. Donc du coup, ça, c'est un premier bon point. En plus de ça, le package, moi, je pouvais que craquer puisque ça ressemble à un corset. Alors franchement, on ne pouvait que craquer. Hein. Et sinon, j'avais déjà eu un mascara bleu à l'époque, il y a un an de ça. Le package était bleu, hein, mais c'était bien un noir. Et du coup, je l'avais adoré. Et c'est vrai que je le mettais assez souvent à l'époque. Et en plus, après ça, bon bah j'ai craqué sur le Benefit, sur le roller lash. Mais celui-ci me coûte un petit peu la peau des fesses. Alors j'ai voulu recommencer, retomber sur un mascara qui vaut le coup. Et donc ça, c'est normal. Je suis en train de me poser moi-même la question. Mais oui, c'est parce qu'en fait, je l'ai acheté dans un coffret. Il m'a coûté 10€. Et le coffret, en fait, il y avait ça, plus un super liner, justement, parce que moi, j'utilise tout le temps. Voilà. Donc limite, j'aurais pu aussi vous parler du super liner. Mais désolé, il est déjà en bas dans mon... Dans ma tasse où il y a tout, mascara, crayon, tout. Bref, j'arrête de m'étaler. Et sinon j'ai craqué sur ça. Oui je sais, battez-moi. Tout le monde en parle, c'est vrai. Tout le monde en parle, cette crème démaquillante. Du coup moi j'ai eu du mal à craquer. Parce qu'en fait j'aime pas acheter forcément compulsivement des choses que je vois en vidéo et tout et tout. Et que je vois en photo et en tout ce que vous voulez. Mais ce qui m'a donné envie en fait, c'est qu'il y avait une pétale dessus et je me suis dit ah, ça veut dire que cette crème ça va encore être du velours. Moi j'adore ces crèmes velours intenses, j'adore ces crèmes instantanées et j'aime surtout le côté bah là en fait que c'est une crème qui démaquille. Parce que du coup, bah, il faut la rincer. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que L'Oréal a fait dernièrement. C'est pas non plus... Enfin, moi, je me rappelle pas que L'Oréal avait fait une crème démaquillante. Hein. Il me semble que non. Donc du coup, bon, bah, j'ai été dans plusieurs supermarchés. J'ai senti l'histoire. Parce que je me suis dit, ça serait bien aussi de ça. Donc j'ai vu à quoi ça ressemble. J'ai senti. Et déjà, ce que j'ai aimé, que vous sachiez, tout de suite, j'ai repensé à une crème... L'Oréal, que ma maman, elle utilisait quand j'étais toute petite. Et c'est vrai que cette crème, je l'aimais, mais je l'aimais d'amour. Je me suis toujours dit, quand je serai grande, je mettrai aussi cette crème-là, et le jour où j'ai des enfants, encore plus. Parce que franchement, elle sent trop bon. Donc en fait, elle sent quoi? Elle sent le jasmin et la rose. Donc oui, moi j'adore ces deux odeurs-là. Mais c'est vraiment prononcé, c'est vraiment intense, et franchement, c'est l'odeur de mon enfance. C'est vraiment... Maman, si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment un truc de fou parce que c'est l'odeur de ta crème que tu me mettais, la crème de soir, la crème de nuit. Et je sais que quand tu venais me dire bonne nuit avec Océane quand j'avais 8-10 ans... ouais, non, j'avais plus que 10 ans parce qu'Océane, elle est née quand j'avais 10 ans. Donc bref, quand j'avais 10-12 ans, j'adorais cette odeur. J'adorais, tu sentais trop bon et tout. Et donc, bon, tu sens toujours bon, Moumoune, hein, mais... je m'enfonce. Non, mais franchement, j'avoue, c'est ça qui m'a fait craquer pour cette crème. C'est que je me dis, tous les soirs, je vais sentir comme un moment... Ouais, je sais, c'est beau. Non, et franchement, donc je l'ai testé. Je l'ai testé. Alors, j'adore ce concept. C'est vraiment bien trouvé. Le fait est donc que c'est bien une crème. Hein, et quand du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, donc j'ai déjà utilisé. Hein. On met les doigts dedans. On démaquille, en fait, c'est bien marqué en mettant des grands gestes. Donc, il faut masser, masser, masser. Il me semble que c'est quelques minutes. Hein, il faut quand même y aller. Hein.
Donc, moi, je me suis pas posé de question. Donc, j'ai pris, j'ai massé. On en met partout. Écoutez, j'en ai mis aussi pour les yeux, pour démaquiller les yeux hier soir. Pas de problème, ça m'a pas du tout brûlé les yeux. Donc, ça, c'est déjà étonnant. Et en plus de ça, eh ben, ce qui est génial, c'est que donc, il y a un effet hydratation instantanée. C'est vraiment du délire. Et après ça, en fait, donc, on prend tout de suite une lingette sèche. Un coton démaquillant. Pouf. Et donc le coton démaquillant, on y va. Et en fait, c'est vrai, moi ça m'a étonnée parce que j'ai pris donc d'un côté un coton démaquillant, de l'autre une lingette. Et effectivement, même pareil. Honnêtement, hallucinant. Et donc du coup, après ça, j'ai ma lingette, j'ai utilisé pour le côté où j'ai pris le coton. Et non, ça avait parfaitement démaquillé. Il faut juste insister en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un petit peu sur le coton. Et puis insister. Parce que bon, le mascara est plus difficile à enlever. L'eyeliner aussi était un petit peu plus difficile à enlever que le reste. Mais honnêtement, non, j'étais vraiment, vraiment étonnée. Du coup, après ça, j'ai rincé à l'eau tiède. Et pour être tranquille, parce que au cas où, j'ai pas voulu vérifier si c'était vraiment hydratant à fond, moi j'ai remis en fait mon huile que je mets le soir, c'est de l'huile d'argan, pour vraiment que ma peau elle soit bien hydratée. Donc je sais pas s'il faudrait, enfin si on peut ne pas mettre d'huile, si après avoir mis de l'eau chaude. En fait, moi ce qui est marrant, c'est qu'après avoir passé de l'eau chaude et bien démaquillée, j'avais pas cette sensation que j'ai avec certains produits démaquillants de peau qui tiraille. J'avais vraiment une peau que je sentais hydratée. Mais bon, honnêtement, en cas où, moi je sais que j'aime bien dans tous les cas remettre de l'huile avant de me coucher, donc j'ai pas pu m'en empêcher hier soir. Mais donc franchement, je suis ravie de ce produit, du coup j'en suis même littéralement amoureuse. Du coup je vais pas l'arrêter, ça c'est clair, ça va être vraiment mon incontournable, mon démaquillant. Et donc ce que... Oh mais j'adore cette odeur, c'est un truc de fou. Mais donc ouais, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, fini les lingettes. J'ai l'habitude d'utiliser des lingettes démaquillantes, et ben grâce à ce produit-là, je vais arrêter les lingettes. Alors oui, moi, donc il m'a coûté 6€ et quelques, 6,30€ il me semble, chez Leclerc. Mais honnêtement, je me dis que oui, franchement oui, moi perso, il est adopté et je suis pas prête de m'en passer. Donc je sais que je vais vite y retourner pour m'en mettre 2-3 pots d'avance, parce que franchement, j'en suis littéralement accro. Donc on va voir sur la durée. Je vous en reparlerai peut-être dans mes chouchous du mois de février, de mars, du mois de mars. Je vous en reparlerai peut-être dans mes chouchous. Mais honnêtement, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Donc c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais la finir en beauté parce qu'on m'a posé la question. Quel pop as-tu ? Donc, fini les produits de beauté, make-up et tout. On passe au pop vite fait. Vraiment, j'ai quoi comme pop? J'ai celui-ci, le pop d'Alice au Pays des Merveilles que j'avais dans un swap. J'ai celui-ci que Claire m'a offert. J'ai celui-ci que j'ai aussi eu dans un swap. Hein, c'est Elsa. J'ai eu celui-ci, Suicide Squad. Joker, j'adore. J'ai celui-ci, donc c'est Alice au Pays des Merveilles, la méchante reine. Pardon. J'ai celui-ci, donc c'est Rumpelstiltskin. Et c'est tout pour le moment, parce que j'en ai reçu d'autres, mais ça sera la prochaine vidéo. Voilà, comme ça vous savez tout, de ma vie. Allez, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aime très fort et restez connectés, il y a encore plein d'autres surprises qui vont arriver sur ma chaîne. Plein de bisous mes amours.